Yo les gens, c'est Craft. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur un RP. Alors j'étais allé sur Roblox et je cherchais un jeu RP pour les nouvelles vidéos et je trouve ce jeu là, je l'ai pas encore testé, je sais même pas s'il y a des youtubeurs qui ont encore fait des vidéos dessus. Peut-être Overspace ou Fruit Jumper ont déjà fait des vidéos dessus, mais en tout cas je n'ai pas encore vu. Alors du coup, on va tester le jeu. On va tester toutes les options du jeu. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis. Alors comme on peut le voir, il y a les options d'avatar, les maisons, les items, les options et les véhicules, les emotes et ça c'est pas la valise. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac à main. D'abord, on va tester les avatars. On va aller dans avatar. Oh, on dirait Adopte Me. On dirait clairement Adopte Me. Il y a le bandeau de Naruto ici. Le casque de Fuse 3 version Roblox. Alors, est-ce que je peux importer le skin de crafter sur le jeu? Déjà, il faut la coiffure, la capuche noire de crafter. Non. Si j'arrive à porter la capuche noire de crafter, on pourra faire des vidéos dessus, des RP. En tout cas, je trouve pas la recroissance de la capuche de crafter. Il y a le masque de Dream, version rougie. Il y a Doz. Là, il y a la fonction recherche. Du coup, on va l'utiliser. On va mettre... capuche noire. Est-ce qu'on va trouver? Rien trouvé, ils ont rien trouvé. Si je mets noir, hein, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Toujours aucun résultat. Crafter là, hein, il est dans le mal. Crafter est clairement dans le mal. J'ai l'impression qu'il y a de tout, alors. Normalement, il est censé avoir la capuche de Crafter, vu qu'on voit qu'il y a de tout. En fait, c'est clairement la boutique Roblox, en fait. Enfin, j'ai trouvé la capuche de Crafter. Et il y a la coiffure de Crafter, mes parents sont en rouge. Pour Red Fark, le double maléfique de Crafter, ça va être parfait, en fait. Ça va juste être parfait. Du coup, on sort le skin de crafter. Ça va être parfait. Ainsi, tous les masques visage. Oh mon dieu. Et celui-là, il me fume. On va prendre celui de crafter, du coup. On va tourner. On peut pas tourner l'avatar. Ok, on peut pas tourner l'avatar, ok. Je crois qu'il n'y a pas le vrai vraiment de crafter, du coup. Est-ce que celui-là, il passe? En vrai, si on regarde du mauvais sens, ça passe, hein. Ça passe. Du coup, là, il y a la fonction cheveux. Est-ce qu'on peut trouver la crête de crafter? Oui, on peut trouver sa crête, comme tu veux. Apparemment, ah, par contre, on peut prendre deux cheveux en même temps, et du coup, c'est un inconvénient. Ouais, je vais danser. Non, en fait. Je viens de me rendre compte qu'on peut prendre plusieurs cheveux infinis en même temps. Ça, c'est un avantage et un désavantage en même temps. Alors, je vais enlever les cheveux que j'avais dans le skin de base et j'ai vu qu'on peut importer l'idée d'un skin. Ça, c'est OP. Voilà, je suis crafter maintenant. Je suis le vrai Mathieu Crafter, comme vous pouvez le voir, je suis crafter maintenant. Bon, le jeu, pour l'avatar, le jeu est bien, j'ai quand même dépensé 4 minutes juste parce que je trouvais pas mon avatar. Donc maintenant, on va chercher les véhicules. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, ceux-là, ils sont payés en Robux. En vrai, ils sont magnifiques, les véhicules. N'attendez pas à des véhicules aussi magnifiques que ça.
Alors, on peut rentrer dans la voiture. Par contre, il faut que j'arrive à trouver voilà, chauffeur. En plus, changer de couleur de voiture, c'est où, sais-tu? Déjà, est-ce que c'est gratuit de changer la couleur? Est-ce que c'est gratuit de changer la couleur du véhicule? Voilà, dès maintenant. Déjà que je trouve le blanc, et ça va gagner. Voilà. Et c'est gratuit. Ok. C'est totalement gratuit. On peut la former à clé. Ok, il n'y a pas que tout le temps qui vient en fait. Il faut sauter pour sortir, en plus ça fait même pas l'animation de sauter. Dans les items, qu'est-ce qu'il y a? En vrai, c'est magnifique. Non, en vrai, c'est magnifique, c'est extrêmement magnifique. On va voir qu'est-ce qu'il y a pour les maisons alors. Voilà. Il y a des maisons payantes en Roblox. Alors, on va tester celle-là. Waouh! C'est magnifique. C'est réaliste. Magnifique. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut pas changer, on peut pas enlever l'interface. Alors, pour les RP, ça va être vraiment dur, mais juste, il faut juste recadrer la vidéo. Comme vous pouvez le voir, les zooms donnent un bon effet au let's play du jeu. Et c'est ce que j'adore en fait. Normalement, si j'ai pas eu la flemme au montage, c'est censé faire le zoom. Waouh, c'est magnifique. Waouh, attendez, les portes, est-ce qu'on peut les traverser? Comment ça, l'animation des portes quand ils s'ouvrent, c'est magnifique, mais est-ce qu'on peut les traverser les portes? Non, on peut pas, c'est réaliste. Alors, on va tester un autre truc, je voulais tester un truc, j'ai oublié que j'allais tester. Non, je crois que j'ai fait le tour, normalement. Attention, attends, l'animation pour manger, qu'est-ce que ça donne? Nourriture. Alors, on prend un McDo, ok, vous allez pas me juger, je vais prendre un McDo. Ah, je peux pas la mettre dans mes mains. Attends. Ok, l'animation pour manger, c'est pareil de celle de Bookhaven. Ok, ça change pas beaucoup. Le jeu est réaliste. Très réaliste. J'adore les graphiques. Je vais faire des vidéos dessus, tu vas voir. Alors là, tu vas voir, je vais faire des vidéos de bonne qualité. Ah, j'ai une idée. Crafter, quand il trouve l'emplacement de la maison de Crafter, se trouve dans cette ville. Ouais, c'est magnifique. En plus, je vais même mettre la voiture que j'avais prévue, qu'il y avait sous la photo. En vrai, c'est magnifique. La maison, en plus, elle correspond bien. En fait, c'est magnifique. C'est juste magnifique, quoi. Je l'ai dit 10 000 fois, mais c'est juste magnifique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis... Et moi, je vous dis... Je prends le bookmark. Et moi, je vous dis... À la prochaine.